On va d'abord parler de la multiplication des attaques terroristes au Burkina Faso. Puis, Bénin, pourquoi Rikieto Madougou n'a-t-elle pas bénéficié de la grâce présidentielle? On termine par le Kenyan William Ruto ou Raila Odinga. Notre invité est Maître Éric Emmanuel Sosa. Bonjour Maître, vous allez bien? Très très bien, merci Michel Tapa. La multiplication des attaques terroristes au Burkina Faso. Donc, Maître, on remarque cela, un coup d'État finalement pour rien. Je pense que vous avez raison en pensant que c'est un coup d'État pour rien. Nous l'avons déploré longtemps ici. La situation du Burkina Faso est, à l'instar de ce qui s'est passé au Mali et en Guinée avant le Burkina Faso, préoccupante en ce sens que les coups d'État qui se sont produits, si l'on peut éventuellement trouver des faits justificatifs au coup d'État qui s'est produit en Guinée, parce que ce coup d'État avait d'abord eu comme justification d'enrayer le processus qui conduisait le président Alpha Condé à embrasser une conduite quasi dictatoriale des affaires. En ce sens, ce coup d'État avait été salué comme étant un coup d'État vertueux, parce qu'il s'agissait, en état de légitime défense, en défendant les intérêts du peuple, d'enrayer un processus antidémocratique. On l'a dit toujours, le coup d'État est mauvais en soi, de la même façon que le meurtre est mauvais en soi, mais la légitime défense qui débouche sur un meurtre est justifiée dès lors que vous avez le sentiment d'être en face d'un danger présent pour vous ou pour autrui. Donc, quelque part, et à chaque fois, je maintiens qu'il faut faire cette nuance, il y a eu des coups d'État en Afrique qui ont été salués et qui doivent continuer à être salués. Le premier qui a forcé l'admiration de tout le monde pour la façon dont il a créé une plus-value dans la gestion des affaires, c'est celui de John Jerry Rawlings. Ensuite, il y a eu celui de ATT, Amadou Toumani Touré, Monitoring. au Mali. Et enfin, il y a eu celui de Saloum Dibo au Niger en 2010, lorsqu'il a enrayé le processus du Tadjar Tché, qui voulait permettre à Mamadou Mamadou Tandja de Tandja. se maintenir au pouvoir à la faveur d'un troisième mandat. Et ensuite, il faut se rappeler aussi du coup d'État de Azali Assoumani, qui a résolu un problème plutôt que des coups d'État qui créent simplement le chaos. Ces quatre exemples de coups d'État, je maintiens, et l'histoire certainement nous donnera raison, ont été des moments comment dire, de cataclysme qui ont donné finalement un meilleur vivre. C'est-à-dire, il faut parfois de grands malheurs pour de plus grands biens. Et c'est ce que ces coups d'État-là ont fait. En dehors de ça, tous les autres coups d'État, sincèrement, ont été des opérations crapuleuses. Même au Mali, Même au Mali. Attendez, le coup le coup d'État d'État de fait. Assimi Goïta. Le coup d'État. Le premier coup d'État de Assimi Goïta était un coup d'État crapuleux. Et le deuxième l'est encore plus, il est encore moins excusable, parce qu'il ne suffit pas de venir dire, nous avons, nous, l'argument de la gâchette, donc nous pouvons nous emparer du pouvoir parce que nous avons la force pour nous. Parce que ça, c'est un coup de force. Vous comprenez? On l'appelle comme on veut, un coup d'État, un coup de force, ça reste quand même un braquage d'un pouvoir qui appartient au peuple. Et on prétend agir au nom du peuple quand on fait un coup d'État de ce genre. Mais malheureusement, le peuple n'est pas consulté quand il est fait. Et le peuple, devant le fait accompli, applaudit ou se récrie. C'est ça ce qui s'est passé. Au Burkina Faso, quelle était la situation? Le président Roch Marc Christian Kabore menait les affaires du Burkina Faso avec, certes, beaucoup de difficultés pour ce qui concerne les enjeux sécuritaires, mais il ne faisait pas si mal pour le reste des éléments de gestion de l'État. Et puis, on lui fait un coup d'État au prétexte que, il a des défaillances Sur sur le plan sécuritaire. le plan sécuritaire. Alors que ceux qui devaient se charger de la sécurité sont ceux-là même qui viennent dire
qu'il est mauvais, donc ils vont le déposer pour prendre sa place et mieux faire. Qu'est-ce qu'on constate? Parfois, la situation est pire que ce qu'elle était sous le mandat de Roch-Christian Caboret. C'est pour ça que je dis que ce coup d'État est crapuleux et c'est un coup d'État pour rien. Et donc ce coup d'État, il est à condamner à tous les points de vue. Parce que finalement, on a obtenu quoi? Un chaos institutionnel aggravé par un chaos social et sécuritaire. C'est grave. Alors, vous pensez que le président Damiba l'a compris? On se souvient, entre-temps, il a voulu solliciter un peu tout le monde. Y compris celui qui l'a déposé. Il a eu cet accès de lucidité de se dire, ben, peut-être que je me suis trompé, je vais venir chercher la caution de ceux qui m'ont précédé. Mais malheureusement, non, ça ne s'est pas passé comme il voulait, mais ça ne se passe pas comme ça. Vous ne congédiez pas quelqu'un pour incompétence et après vous venez lui demander conseil sur ce qu'il devait faire et qu'il n'a pas fait selon vous. Non. Alors, quand on voit la situation sécuritaire du Burkina Faso, Maître Éric Emmanuel Sossa, vous proposez quoi? Pardon? Vous proposez quoi? Par rapport à la situation sécuritaire du Burkina Faso, ouais. Vous savez, si je savais la solution, je suis sûr que je ne serais pas ici devant vous. Je prendrais volontiers un poste de conseiller du président Damiba aux affaires sécuritaires au Mali et au Burkina Faso, où je créerai une officine pour donner des conseils en matière de sécurité. Non, pas du tout. Dans l'enjeu qui nous concerne, en Afrique en général et dans cette zone sahélo-sahélienne en particulier, pardon, mais il ne s'agit pas de venir fanfaronner sur les plateaux pour dire qu'on a des plateaux de télévision pour dire qu'on a des solutions, hein. Pas du tout. Non, il faut avoir l'humilité de se dire que nous sommes en face d'un phénomène qui a défié finalement tous les schémas tactiques, les schémas stratégiques de toutes les armées d'Afrique et du monde. Parce que quand on dit ça, on se moque des Africains, mais les Américains n'ont pas réussi en Afghanistan. C'est le même phénomène. Est-ce que les Américains ont réussi? Non. En Irak, est-ce qu'ils ont réussi? Pas plus. Donc pourquoi est-ce que là où l'armée supposément la plus puissante du monde n'a pas réussi, on voudrait que nos moignons d'armée, parce que c'est bien comme ça qu'il faut les appeler, nos moignons d'armée aient plus de succès que l'armée américaine ou que l'armée française? Alors, maître, là, on peut... Souvenez-vous quand même comment la France a perdu la guerre d'Algérie. D'Algérie, oui. Bon, elle l'a perdue malgré sa puissance. Vous voyez, on dit souvent la faiblesse de la force, c'est de ne croire qu'en la force. Mais c'est ce qui est en train d'arriver. Et malheureusement, on n'en tire pas les leçons. Mm. La force brute et militaire ne résoudra aucun problème dans la zone sahélo-sahélienne. Maintenant qu'on a commencé à le comprendre et qu'on convoque un peu de bon sens, on s'avise à parler un peu à ceux à qui on pense avoir affaire. Sauf que ce n'est pas un bloc monolithique. Ce sont des gens qui ont des revendications tout à fait disparates parfois, des revendications très variées, et il faut à chaque fois les concilier, les écouter, parce que parfois on se rend compte que ce sont des Maliens, des Burkinabés qui ont finalement des revendications. Pas nécessairement politiques. Pas nécessairement politique. Alors, maître, dans ce cas, même si on peut accuser un peu Damiba, actuellement, on peut l'applaudir parce qu'il a voulu finalement concerter tout le monde pour pouvoir trouver une parasite. Vous ne faites pas un coup d'État pour venir concerter tout le monde. Attendez, mais non, mais c'est la bonne blague. Mais attendez, je commets un crime pour après venir concerter les victimes. Hein, c'est ça, en quelque sorte. C'est ça qu'on est en train de nous dire? Non, il faut y aller penser avant. Mais attendez, venir là, la gâchette rutilante en disant, voilà, à partir de ce moment, parce que j'ai la force pour moi, c'est moi qui commande, et après venir dire, bon, écoutez, tout au honte au but, et la queue entre les jambes, je crois que je me suis trompé, venez m'aider. Ça ne se passe pas comme ça. Il est délégitimé. Il faudrait bien qu'il le comprenne. Il est délégitimé. Donc il faut qu'il en tire les conséquences et qu'il rende le pouvoir le plus rapidement possible, mais aux gens à qui il doit être dévolu. C'est-à-dire, s'il faut faire une refondation totale, qu'on la refasse, mais qu'on fasse en sorte de verrouiller de façon à ce que plus jamais personne, parce qu'il a un pétoir dans la main, ne vienne dire « je vais prendre le pouvoir parce que c'est facile à prendre, puisqu'on a la force pour nous ». Non, attendez. Non, non, écoutez, le pouvoir qu'a qui, il faut trouver un moyen de s'en prémunir.
Vous pensez que c'est le même cas également au Mali, parce qu'on voit C'est une le même cas au Mali, c'est le même cas en en Guinée, Guinée. Parce qu'en ce moment, là, il n'y a pas le terrorisme, mais il y a la répression. Voilà, exactement. Hein. Et il y a surtout, si vous voulez, la compression de l'espace civique, et ça n'annonce rien de bon, et ça n'augure rien de bon. Attendez, on a eu Dadis, et maintenant on aura un Dadis bis. Si c'est ça le chemin que ça prend, pardon, non, il faut trouver un moyen de guérir l'Afrique, il faut trouver le vaccin anti-coup d'État, et c'est la conduite vertueuse des affaires par les civils qui va induire nécessairement la répulsion des populations contre le phénomène des coups d'État. Parce que à chaque fois que ça se passe, quand même, la rue applaudit et on dit, vous voyez, ils ont reçu l'adhésion de la population. Or, la plupart du temps, c'est parce que les gens sont fatigués par l'inefficacité et l'illégitimité de ceux qui gouvernent, qu'ils sont contents de les voir partir, c'est tout. Mais ce contentement, il est exprimé, disons, sur une très courte période. Au bout de 3 semaines, on commence à déchanter, on veut voir autre chose, mais pas forcément le pouvoir kaki. Hein. Alors, maître, que pensez-vous de la nouvelle stratégie des terroristes au Burkina Faso? Ils font sauter les routes pour couper des localités des autres. Mais oui, mais attendez, ce que j'en pense, c'est que malheureusement, ils ont, eux, de l'efficacité. Et que la riposte militaire n'est pas efficace. Voilà. On va parler également du Bénin. On a vu la grâce présidentielle qui a été accordée à des opposants politiques, des opposants du pouvoir de Cotonou. Mais, maître, pourquoi Riki Atou-Madougou n'a pas été gracié, selon vous? Écoutez, la question devrait être posée plutôt au président Talon. Et je crois qu'il a répondu en disant que ces choses-là se feront. Progressivement. Peut-être maintenant, sous son mandat, ou peut-être en d'autres temps. Il l'a indiqué. Il n'y a rien qui oblige le président Talon à gracier Riki Atou-Madougou ou Joël Aïvo. Il a le droit de faire une ségrégation entre les gens à qui il a envie de donner sa grâce. Ça, c'est le pouvoir prétorien du monarque républicain. C'est discrétionnaire et il n'a pas à s'en justifier. Et il l'a dit d'ailleurs. Bon, les gens qui ont été graciés, la trentaine de personnes graciées, ont été graciées pour des crimes ou délits qui n'ont rien à voir en comparaison avec ce qui est reproché à Riki Atou-Madougou. D'accord. Donc à partir de ce moment-là, je peux comprendre qu'il ait envie de faire des choix. Ça, c'est des choix politiques et je crois que le président Talon les assume totalement. Alors, mais c'est quand même curieux. Hein. Les gens ont la grâce dans un pays, la Côte d'Ivoire, mais refusent cette grâce et parlent d'amitié alors qu'au Bénin, on demande la grâce. Eh bien, vous voyez comme quoi ce qui est bon... chez Jacques n'est pas nécessairement bon chez Paul. Dans notre jargon vernaculaire, on dit ce qui est bon dans un pays est peut-être une calamité dans un autre. D'où les bégnognoignis, d'où les bégouglés, comme on dit. Voilà. Mais ça n'a pas la même truculence en français, mais bon, c'est comme ça. En Côte d'Ivoire, je regrette que l'opposition anti-Ouattara réagisse de cette manière. Parce qu'il faut une gradation dans la réconciliation. Quand votre adversaire ou ennemi fait un pas, il faut l'aider à faire le second. Alassane Ouattara, qu'on le veuille ou non, qu'on l'aime ou non, a quand même fait un pas significatif vers la réconciliation avec son prédécesseur. Bon, repousser sa main tendue me paraît être un geste politique, on va dire, qui n'augure rien de bon quant à l'efficacité même de l'action politique qu'on veut mener, parce que l'amnistie, c'est pas une décision qui relève de la compétence du chef de l'État. L'amnistie, c'est normalement le pouvoir législatif qui en a la prérogative. Alors, il faut peut-être proposer une loi d'amnistie et la faire voter par le Parlement plutôt que d'exiger du président qu'il accorda une amnistie dont il n'a pas le pouvoir. Tout ce qu'il peut faire, c'est
accorder la grâce. Et ensuite, l'amnistie pourrait venir dans une étape ultérieure. Mmh. Mais bon, je ne sais pas par quelle réaction épidermique nos amis ivoiriens ont décidé de... nos amis ivoiriens du parti PPAC, PPAC de Laurent Gbagbo ont boudé cette belle initiative de la part de Ouattara. Mmh. C'est pas, vous savez, c'est pas souvent que je suis d'accord avec Alassane Ouattara. Bien sûr, je l'ai remarqué. On doit avoir l'objectivité de reconnaître quand une décision est prise et qu'elle est empreinte de bonne volonté, de bon sens, que c'est une décision qui est positive pour la paix, tout au moins, en Côte d'Ivoire. Donc, je regrette que le clan Gbagbo ait réagi comme ça. Alors, quand on revient au Bénin, la dame Rikiatou, elle fait si peur, selon vous, maître? Mais, attendez, ce n'est pas parce qu'elle n'est pas amnistiée qu'elle fait peur. Soyons sérieux quand même. Non, mais deux secondes. Avant les élections de 2020, Madame Rikiatou Madougou représentait quoi sur l'échiquier politique béninois? Elle représentait quoi? Epsilon. Non, mais attendez, je dis, elle a une visibilité parce qu'elle est à Corte, parce que, bon, mais écoutez, mais c'est une belle dame qui a de la prestance, ouais. Et quand elle apparaît, on la remarque. Donc forcément, quand elle déboule sur la scène politique, elle est remarquée. Bon, mais je ne dis pas ça uniquement en faisant référence à ses atouts physiques uniquement. Non, elle a d'autres atouts intellectuels et politiques à faire valoir. Mais sur le plan politique, elle pesait combien? Pas grand-chose. Alors, des opposants autoproclamés et comme ça poussés à l'engrais de l'argent des autres, comme ça la veille d'une élection, deviennent des épouvantails? Non, pas du tout. Je ne pense pas une seule seconde qu'elle fasse peur à M. Talon. Non. D'ailleurs, elle n'a pas fait peur à M. Talon. Les conditions juridiques de sa candidature n'étant pas réunies, on lui a rappelé la loi électorale du pays. Elle a choisi de la contester sous d'autres formes. Mais elle s'est trouvée avoir maille à partir avec la justice de son pays. Et on vient dire, on ne l'a pas amnistiée, c'est qu'elle fait peur. Elle fait peur à qui? À Talon qui ne va pas se représenter? Parce que Talon ne va pas se représenter. Je vous fais le pari. C'est sûr. Je vous fais le pari. On en reparlera. Il y aura un dauphin, sans doute. Ah, si on a un dauphin, ça veut dire qu'on prépare sa succession et qu'on s'avise de donner le flambeau à quelqu'un dont on est sûr qu'il va continuer la même philosophie et la même idéologie dans la gestion des affaires de l'État. Et apporter les mêmes précautions. Donc, pourquoi est-ce que Rikiatou Madougou ferait peur? Elle ne va pas avoir un destin de Mandela parce qu'on va la sortir de prison demain matin. Ça, rassurez-vous. Hein. Non. Mais attendez, ça c'est des lampions qu'on amène à la plage. Maître, si vous le permettez, on va terminer par le Kenya ou l'alternance et anti-téléchargement. Qui, selon vous, de William Ruto, de Raila Odinga, va remplacer le président Uhuru Kenyatta? Attendons que le verdict des urnes le dise. On ne peut pour l'instant que faire des spéculations ou exprimer des préférences. C'est tout. Le Kenya est un pays important parce que ce pays est en train de connaître, bon à mal an, l'ancrage démocratique. Il le connaît par le rythme des alternances parce que après Jomo Kenyatta, nous avons Daniel Arap Moi, et ensuite on a eu Mwai Kibaki, et ensuite tout le reste a respecté rigoureusement la constitution du Kenya. Donc merci à Uhuru Kenyatta de l'avoir fait aussi, et merci de permettre, en supportant Raila Odinga, qu'il y ait une alternance véritable. Vous savez, là, c'est un... Alors, quelle lecture vous faites de son positionnement aujourd'hui en supportant l'opposant, son opposant historique? Mais ça veut dire qu'en politique, tout est possible et que parfois, son opposant historique, comme vous dites, peut devenir un meilleur allié en fonction de la valeur démocratique qu'on veut défendre. Je m'explique. Je ne sais pas ce qui a été cause que, entre William Ruto et Uhuru Kenyatta,
il y a eu une distanciation. Bon. Mais ça, c'est fréquent en politique. Il a choisi de soutenir leur ennemi commun contre son vice-président. C'est inédit. Oui. Mais c'est un calcul politique, parce qu'il faut savoir qu'au Kenya, le fait ethnique est extrêmement prégnant. Uhuru Kenyatta, Kikuyu, Raila Odinga et William Ruto sont Luo. Alors, un Kikuyu soutenant un Luo, ça donne un signal, pour une première fois, vu de l'unification et de l'unité nationale. C'est important, parce que soutenant William Ruto, il soutient l'ordre ancien, soutenant Odinga, qui a été candidat cinq fois, et qui est maintenant relativement âgé, il lui donne la 77 chance, ans. Il lui donne la chance d'être aux affaires pour une fois, mais pas pour son bien à lui, pour le bien du Kenya, parce que Raila Odinga au pouvoir sera plutôt facteur d'apaisement que William Ruto au pouvoir. On aura toujours les mêmes frustrations qui vont continuer. Et les frustrations au Kenya, elles débouchent sur des violences meurtrières dans la rue, et ce sont les électeurs et les gens de peu qui en payent le prix à chaque fois. Pendant que les éléphants politiques, qu'ils se battent ou qu'ils fassent l'amour, la petite herbe trinque. C'est ça ce qui se passe. Donc, regardons-les s'amouracher et puis se désamouracher, mais faisons attention à ce que le peuple et l'intérêt démocratique y gagnent. C'est ce que je peux souhaiter. C'est la raison pour laquelle, pour l'instant, je reste complètement circonspect en souhaitant le succès de Raila Odinga, parce que je pense que ça aura un effet bénéfique en termes de pacification du climat politique que si c'est William Ruto qui gagne. Voilà. Alors, et ça, c'est une analyse qui n'engage que moi. Vous ne pensez pas que le positionnement du président sortant, Uhuru Kenyatta, ne risque pas de fragiliser William Ruto? Le positionnement du président sortant ne va pas fragiliser. Oui, ça l'a fragilisé nécessairement. Mmh. Attendez, votre patron vous désavoue. Oui, parce qu'il était son vice-président quand même pendant le mandat. Il est désavoué par celui avec qui il a co-dirigé le pays. Bon, ça veut dire quelque part qu'il est en train de le signaler comme étant peut-être pas le plus apte, je ne dis pas nécessairement le plus compétent, mais le plus apte à gérer le pays dans la bonne direction. Il préfère leur adversaire commun parce qu'il lui trouve des qualités. C'est le panache républicain qui me plaît dans cette démarche et dans ce scénario. Parce que habituellement, bon, c'est politique as usual, je soutiens mon camp, vaille que vaille. Mm. Même si je considère que notre candidat, notre poulain est mauvais, je vais le soutenir par pure idéologie. Là, non, c'est un effort intellectuel remarquable de se dire, et un courage politique sans précédent, de dire je vais soutenir l'adversaire, non seulement pour lui donner une chance, mais pour donner une chance au pays de connaître la paix après un scrutin qui, d'habitude, dégénère en violence meurtrière. C'est quand même quelque chose de très intéressant, et je suis tout à fait partisan du succès de Raila Odinga. Voilà. Alors, vous avez parlé de calcul politique. Peut-être derrière se cache aussi un deal politique. Quoi peut-être, Maître Eric Emmanuel Sosa, entre Raila Odinga et Uhuru Kenyatta? Mais attendez, là, forcément, ce qui se passe ici nous donne le signe d'une coalition possible et d'une co-gestion en continu du pouvoir. Parce que Raila Odinga aura à cœur quand même de marquer sa gratitude à celui qui l'a fait roi. Et celui qui l'a fait roi n'est pas personne. Mm. C'est son prédécesseur qui n'était pas du tout son ami. Ils se sont affrontés à plusieurs reprises, deux fois. Et en 2017, je me souviendrai toujours et je le saluerai avec délectation, la Cour suprême du Kenya a annulé le scrutin. Il a été repris en faveur de Raila Odinga, quand même, il faut être sérieux.
Mais il y a eu tout ça, tous ces précédents, et n'empêche, il a préféré le soutenir. C'est inouï, mais, et pour mais moi, en politique, ce n'est pas automatique. Mais voilà, c'est pour ça que je dis que ce fair play-là est extraordinaire, et au nom de ce fair play, je soutiens le ticket Odinga Kenyatta. Et comment vous avez vu les élections, le déroulement même des élections? Bon, comme partout ailleurs, y compris même aux États-Unis, il y a des irrégularités qui sont contestées devant les instances chargées de régler le contentieux électoral. Bon. Le taux de participation... On parle de 56% oui, à peu près. Est, à mon avis, relativement faible, parce que bon, ça ne légitime pas complètement celui qui est élu. Mais bon, on a vu des présidents élus avec des taux de participation moindres. En France, la dernière fois, bon, c'était Macron aurait été très heureux d'avoir eu 56% de taux de participation. Bon, mais voilà ce qu'on a. Bon, nous sommes dans un pays d'Afrique. Nous devons souhaiter que ces élections se passent de la manière la plus apaisée possible et qu'il y ait finalement aucune goutte de sang qui s'en suive. Voilà ce que je peux en dire. Il y a eu, ce sont des élections couplées également, 6 au total. Oui, absolument. Mais oui, parce que c'est des élections générales. On va élire parfois les représentants des municipalités, d'assemblées, de Sénat, etc. Donc oui, effectivement, il y a 6 élections au total, mais c'est l'élection phare, c'est-à-dire la présidentielle, qui captive toute l'attention. Ça peut inspirer d'autres nations africaines pour plus d'économie. Bien sûr, bien sûr. Ah oui, non mais je suis partisan de la démocratie intégrale. Je le dis tout le temps, c'est un prêche que je fais et il fait partie de mon credo idéologique. Je dis, la démocratie sera effective chez nous le jour où il y aura une démocratie totale, c'est-à-dire qu'il n'y aura plus de possibilité pour des gens de se tenir en dehors de l'expression politique. C'est-à-dire, vous avez le droit de vote, des gens sont morts pour que vous ayez le droit de vote, vous devez l'exercer, et si vous ne le faites pas, on devrait pouvoir vous y forcer. C'est-à-dire le vote obligatoire pour tout le monde, ça permettra de décanter certaines situations et de voir que finalement, il y a une participation réelle de tout l'électorat, c'est-à-dire tous ceux au nom de qui on prétend gouverner. Voilà pourquoi je dis la démocratie doit être totale, et il n'est pas question que nous autres, nous ayons des gens qui... soit les flemmards démocratiques, mais qui finalement sont les plus grandes gueules. Parce que bon, ils ne participent pas, mais ce sont eux qui, dès que les élections sont terminées, prennent les mégaphones et font les vuvuzelas dans les rues. Non, il faut arrêter ça. Merci beaucoup à vous, Maître Eric Emmanuel Sosa. Vous êtes avocat, un avocat célèbre au barreau du Togo, comme de coutume. C'est toujours un plaisir de vous avoir sur ce plateau. C'est toujours un plaisir. Avec vous, on a parlé du Burkina Faso, multiplication des attaques terroristes, un coup d'État pour rien. Bénin, pourquoi Rikiatou Madougou n'a-t-elle pas bénéficié de la grâce présidentielle? Et enfin, Kenya, William Ruto ou Raila Odinga. On marque la pause pour le journal et derrière, on reçoit nos invités pour Regard Croisé.